J'écrivais sur les murs que je rase, de midi à minuit. Chaque fois qu'un inconnu me croise et me lance ce qu'il pourrait garder pour lui, je noircirai ces murs d'une encre amère. Chaque fois que j'aurais pas dû me taire, une offense, j'y suis habituée. Mon silence l'aurait-il étonné? Si je ne suis pas ton égal, de nous deux, qui est l'animal? De mon corps, tu te régales. De nous deux, qui a le plus mal? Des cités au grand boulevard, j'aimerais aussi traîner. Mais de chez moi au centre-ville, je marche les poings serrés, sage et silencieuse, pourvu qu'on ne me voit pas sur les panneaux publicitaires. Je suis un appât et j'attends un sursaut, un réveil. Si je ne suis pas ton égal, de nous deux, qui est l'animal? De mon corps, tu te régales. De nous deux, qui a le plus mal? Quelqu'un siffle après moi comme après son chien. Je devrais en plus le remercier et passer mon chemin. Ce regard posé sur nous, est-il indélébile? Est-il inscrit sur ma peau ou sur ce textile? Objet de grand débat, mon enveloppe charnelle. Faut-il une permission pour habiter chez elle? À coups de mots, d'égo trip et de caricature, l'image féminine est-elle une injure?